Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer, enfin non, on va pas essayer, on va réussir. Comment transférer un héros dans une faction. En clair, par exemple, si quelqu'un a envie, par exemple, de créer la communauté de l'anneau. On va essayer de faire ça, voilà. Créer la communauté de l'anneau dans une faction. Donc pour faire ça, il faut aller dans un fichier qui va regrouper toutes les stats qu'il y a par faction. Bien spécifique, donc il faut aller dans Player Template. Voilà, vous l'ouvrez. Donc, attendez, je vais faire comme la dernière fois. Et voilà, on se retrouve. Du coup, on est dans le fichier. Donc, le début, on s'en fout. Et c'est tout ce qui est là. Player Template, donc faction rang. Par exemple, là, c'est la faction du roi. Ensuite, il y a faction des hommes, faction d'Arnor, etc. Tout en bas. Et du coup, on va faire ça par exemple avec. Dans la communauté de l'anneau, on va la mettre chez le roi, hein, par exemple. Chez le roi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Donc, là, il y a plein de trucs. Donc, side, c'est le roi. Voilà, il est jouable. Ça, c'est pour dire que il est jouable. Ce n'est pas un ennemi. Start money, bah non. Il démarre comme tout le monde à zéro. Ça, c'est l'XP, mais c'est. Voilà. C'est pas très important. La couleur, le starting building, donc on démarre forcément avec la forteresse du Rouen. On commence avec une unité, donc on peut en fait c'est comme dans le 1, on commençait avec des hommes dès le début pour prendre les petits avant-postes. Et dans le 2 on commençait juste avec voilà deux porteurs. Donc là je peux en rajouter un troisième si je veux, si j'ai vraiment envie. Voilà, ça on s'en fout. Ça c'est le type de science, donc c'est les pouvoirs. Donc voilà, c'est les pouvoirs du bien. Et ensuite, spécialisé, c'est les pouvoirs du roi. Enfin bref. Voilà, tac tac tac, on descend, on s'en fout. Et là, c'est l'endroit qui va nous intéresser, ça va être Build a Hero MP. Donc là, c'est tous les héros qu'on peut faire au rang. Donc là, on peut voir qu'on peut créer son héros. Donc les héros personnalisés. Nous avons Rohan Emerhand, Rohan Théoden, Rohan Éomer, Rohan Gamelin, Rohan Théoden, Éowyn et Merry. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la communauté de l'anneau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit machin comme ça. Tout ce qui est après un point-virgule, c'est tout ce qui nous intéresse pas, en fait. C'est retiré, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les trouver, donc attendez. Déjà, nous avons Mairie. Ça, Mairie, on peut le garder. Hop, on va le remettre ici. Hop, tac. Donc, nous, on a Mairie. Et là, il va falloir chercher chaque héros. Donc, par exemple, il faut aller dans Good Faction, parce qu'ils sont tous dans Good Faction, unité. On va d'abord chercher les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Aragorn, forcément. Donc, il faut aller là et chercher l'objet. Donc, voilà, là, c'est Condor Aragorn. On fait CTRL-C, CTRL-V, hop, et on glisse. Ensuite, donc on ferme ça, on réouvre. Donc nous avons Gandalf, voilà, donc Gandalf, Condor, Gandalf, paf. Ensuite, tac, on revient dans le fichier, donc Faramir, il n'y est pas. Nous avons Boromir, Boromir, hop, hop, tac. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Frodon, forcément. Frodon, Merry, qu'on a vu juste après. On les glisse. Ensuite, donc Merry. Il y a Pipin. Mais attends, j'ai jamais mis Merry. Je suis pas sûr. Ouais, bah si, si, j'ai jamais. Donc on va chercher. Ah bah Sam Gamgee. Tac, tac. Donc c'est vraiment, là c'est un tuto très simple à réaliser. Vous pouvez mettre n'importe qui en fait en héros. Donc si vous voulez par exemple prendre le Mordor et mettre les 9, et bah vous pouvez, vous le mettez 9 fois. Alors après je sais pas si on peut le mettre en plusieurs fois le héros, genre mettre 2 fois Pipin. Je pense que c'est possible, ça a aucun intérêt, mais pour les 9 c'est pas mal. Mais bon, du coup il nous manque qui? Il nous manque Gimli, donc il doit être chez les nains. Forcément, on va prendre hop Gimli, 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 G, 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 voilà, Gimli. Toi, il est repris du 1. Rohan Gimli. Ils ont gardé les mêmes noms du 1. Donc là, il nous manque Legolas. Legolas, donc c'est chez les elfes.
Legolas, hop. Voilà, Rohan Legolas, on s'y attendait pas. Hop. Donc, nous avons normalement les quatre hobbits, Merry, Frodon, Sam, Pipin. Nous avons les deux hommes, Aragorn et Boromir. Nous avons le mage Gandalf. Nous avons le nain Gimli et Legolas qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que. Hop. Ça, on va le remettre ici. Tac, tac. Là, ce qu'on fait, c'est que on enregistre. On lance Final Big, on fait nouveau, Big Archive, on fait OK. Là, on prend le fichier data que vous avez extrait, on le place ici, on fait enregistrer, et là, si vous l'avez déjà mis à l'intérieur et que vous l'avez nommé Data Modif, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, remplacer, vous faites oui, tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le jeu. Donc, normalement, il y aura un souci de langue que je dois régler. Ne vous inquiétez pas. Hop, du coup, le jeu va se lancer tranquillement. Et normalement, si on prend le rang, nous aurons dans la faction tous les héros. Attendez, je vais augmenter le son, je l'avais baissé. C'est trop de bruit la dernière fois. Je suis. Hop. Normalement là c'est bon. Du coup, on va prendre la map spéciale parce que sinon je vais pas pouvoir tous les créer, j'aurai pas assez d'argent. Hop. Donc on prend les nains, le Rohan, parce qu'on les a mis chez le Rohan. On lance la game. Donc là, vous pouvez mettre tous les héros. Genre, si vous avez envie de mettre Gollum chez le Gondor, vous pouvez. Il faut juste trouver l'objet qui correspond au héros. Après, il peut y avoir quand même des bugs. Mais après, il faut essayer quoi. Et il faut laisser un espace aussi pour les héros. Donc, normalement, là, toi, on va dans les héros. Et voilà. Nous avons la communauté de l'anneau. Là, bah, on va tous les faire. Je vais faire un coup de. Hop! Hop! Un magicien précisément à leur prévue. Voilà. Et là, il y a toute la communauté qui est présente. Avec les 4 hobbits. Il en manque un. Où il est? Bah, attends. Allez, rappelez-moi pourquoi je suis là. J'ai une mairie. Allez, on peut pas y passer la nuit, je dois réussir. J'avais des histoires à me raconter. Merry. Bizarre. Il a disparu. Au secours. Nous ne devons pas faillir. Préparez vos armes. Bon bah juste pour cadeau. Il reste peu de temps. Je vais faire passer Gandalf niveau 10. Vous allez voir une petite surprise. Restez groupés. Restez groupés. Comme ça vous pouvez voir les petits skins. L'ennemi est désormais puissant. L'ennemi est désormais puissant. Allez ça. Allez ça. Ne laisse pas tomber monsieur Frodon. Des vents sans son éveil. Devons être sur nos gardes. Oh la tête qu'il a. Et mon petit déjeuner. Et mon petit déjeuner. Gagnerons cette guerre. Donc voilà, Gandalf. Le est devenu plus puissant. Voilà, tac, tac, tac. Là, il va passer le niveau 10. Et là, hop, il devient. Olorin. Il faut nous hâter. Et là, on va faire son petit pouvoir magique. Ne passerez pas. Et voilà, on se quitte sur ce magnifique speech de Gandalf, qui a des pouvoirs plutôt stylés, qui est tout blanc, oulala. Et voilà. Bon allez, à bientôt pour le prochain épisode. Soyez prêts. Je suis petit, mais je défendrai mon peuple. Je dois arriver à avoir un peu de bacon. Les mots sont son éveil.